Mon chéri, tu as oublié de mettre ta vaisselle dans la machine. Ah oui, c'est vrai. Un petit salé aux lentilles. Ça te plaît? Alors, tu as avancé sur ton projet? Avec ce temps pourri, ça pousse pas à l'initiative. Bon, le principal est que tu te prennes en main. À ce propos, en faisant les cours, j'ai rencontré deux gars. Ils viennent déjeuner samedi. Ta copine et son mec? Ils me saoulent avec tous leurs projets. Ils ont toujours tout vu, tout fait. Peut-être qu'elle te saoule, mais elle au moins, elle se bouge. Elle est tellement dynamique. Ouais. C'est pas comme toi, mon chéri. Si tu pouvais avoir ton temps libre, nous serions millionnaires. Bon, c'est pas tout. Faut que je repasse. T'as étendu le linge? Le linge? Quel linge? Je t'ai laissé un mot ce matin sur la table à côté de ton bol pour te demander d'étendre le linge. Ah oui, c'est vrai, mais j'y ai plus pensé. C'est pas grave, je vais l'étendre et je le repasserai demain. Bouge pas ma bibiche, je vais le faire. Bonsoir. Un petit chablis. Enfin, petit, grand cru, hein, le chablis. Patrick, n'en fallait pas. Quel temps de chien. On ne sait plus comment s'habiller. C'est vrai, ça. Surtout pour toi, Robert, qui passe tes journées à la maison. Oh, mais tu sais pas quoi, je t'en veux. Assis dans ma bagnole, cul à cul dans les embouteillages, hier, 1h30 pour rejoindre le périph. Heureusement, il y a France Culture pour faire passer le temps. C'est pas trop normand, ça. Et c'est quoi vos projets cet été? En principe, on va chez Michel. Mais il faut voir parce que Patrick voudrait aller au festival de Marsan-les-Bains. Ah, excusez-moi. Ah bah, c'est Michel. Allô? Ce téléphone qui coupe tout le temps. C'est la batterie qui n'est pas bien calée. Et comment tu sais ça? Hélice mal affûtée. Charnière, porte-filtre usé. Robert, tu n'as rien entendu? Non, pourquoi? Non, je n'ai rien. Batterie déchargée, socle mal branché. Filtre eau encrassé. Hélice intermédiaire bloquée. Mais bibiche, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait une petite déprime? Robert, écoute-moi bien. Et surtout, te moque pas de moi. Oula, c'est grave, docteur. Depuis quelques jours, les objets me parlent quand ils ont un problème. Comment ça, ils te parlent? Oui, j'entends une voix qui vient de l'appareil et qui me dit ce qui ne va pas. Et quand il fonctionne, tu n'entends rien? Non. Tu vois, j'ai fait exprès de mal ranger un couvert dans le lave-vaisselle et il me l'a dit. Le lave-vaisselle? Oui, je te dis. Les objets me parlent dès qu'ils ont un problème et en plus, ils m'expliquent ce qui ne va pas. Peut-être pas tous. Enfin, au moins ceux qui marchent à l'électricité. Mais depuis quand? Je sais pas. Au début, j'ai cru que c'était dans ma tête. J'y ai pas fait attention. Mouin. Tu vas sortir de la pièce? On va faire une petite expérience. Sors, je te dis, pour en avoir le carnet. Je vais nous faire une tisane. Une tisane? Pas de bière ce soir? Non, ce soir, c'est mise en bière de la bière, ou alors je te fais un carnet. Tu vas me dire si tu entends quelque chose. Oui! Tu as mal positionné la bouilloire sur le socle électrique. Pas possible. Alors? Tu me crois?
Comme Saint Thomas. Et comment tu sais ça? C'est mon petit frère qui me l'a dit. Donne, je vais jeter un coup d'œil. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer la table. Merci beaucoup, Rob. Pas de quoi, ça te fera un bisou. Et c'est en juillet que vous passez voir Michel? Alors oui, normalement, mais il y a du monde chez lui. Donc comme c'est pas très très grand, je pense qu'on va se prendre un petit hôtel sympa, style relais château. Et après, on va à Marsan-les-Bains, hein, n'est-ce pas ma chérie? Ah, excusez-moi. C'est Michel. Oui, allô? Oui, oui, on est chez Robert et Raymond. Non, j'ai eu un problème, la batterie n'était pas bien calée. Oui, c'est bon, oui, oui. Bah écoute, on risque de rentrer tard, donc je te rappelle demain, vers 11h. Ok, super. Salut. Merci, t'as vraiment de l'or dans les mains. Tu l'as bien mérité, ta bise. Ah, ce soir, je me sens pousser les ailes. Des ailes de ménagère, peut-être? Eh ben oui, ce soir, c'est moi, Marie-Thérèse. Tu vois, des fois, je me demande vraiment si Claudia et Patrick vont aller chez Michel. On s'en fiche. Et si on faisait parler de la vaisselle? On aurait pu sonner. Pas la peine. La sonnette est en panne. Le fil est coupé. Ah, bonjour. Bonjour. Vous sonnez pas au portillon, vous? Normal, votre sonnette est en panne. Vous devriez vérifier le fil. T'es sûr? Elle marchait ce matin? Oui, nous allons à Marsan-les-Bains. On va au festival. Nous avons réussi à avoir des places. Que des chants grégoriens. Ça va être génial. Chacun ses goûts. À ce sujet, vous devriez arrêter la musique. Pourquoi? T'aimes pas le chant grégorien? C'est pas ça, mais votre chanifiée lampée qui chauffe. Ah oui, c'est vrai. Ton petit doigt, c'est ça? Il est bavard. Hein. Mais tu sais quoi? J'attends de voir la réalisation de ces prédictions auriculaires. Hein. T'as raison, Patrick. Surveillons-le bien. On ne sait jamais. Des fois qu'il s'allongerait comme le nez de Pinocchio. Alors, vous le mettez toujours en doute, mon petit doigt? Mais c'est quoi ce bazar? Hein? Tu commences à nous emmerder avec ton petit doigt. Tu sais ce qu'il dit, mon petit doigt, bavard, comme vous dites? Tous des glingues chez vous. Tous vos appareils domestiques sont à bout de souffle. Déjà la sonnette et la chanifie auxquelles vous pouvez ajouter le grille-pain, l'aspirateur, l'alimentation de l'ordi. Arrête, Raymond. Et ton petit doigt, il te dit pas que t'es en train de péter les plombs, ma pauvre Raymond? Ça va, Patrick. Si Raymond te dit tout ça, tu feras bien de la croire. Et puis tu lui parles correctement. Pneu arrière gauche sous-gonflé. Alimentation électrique des phares. Haut-parleur détendu. Câble de connexion en court-circuit. Et voilà ma bibi. Bon, votre appareil, là, vous venez pour quoi aujourd'hui? Ben, c'est les petites branches, les là, petites elles branches tombent qui pas tombent. Normalement. Ah oui, d'accord. Et donc, mes blancs, ben, ils ne montent pas. Bon, ben, moi, c'est la vapeur qui ne sort plus de mon fer. Ah bon? Et puis, vous y croyez, à cette histoire? Ben, on dit que c'est son petit doigt. Je sais pas. En tout cas, il y a du monde. Hein. Oui. Bonjour. Enfin, ça y est, on peut. Merci. Oh, bonjour, messieurs, bonjour, messieurs, dames. Ah ben, il y a du monde. Alors, il y avait du son, et puis maintenant, ça grésille. Oui, c'est juste le transistor à changer. Il est en train de griller. D'accord. Vous pouvez le réparer? Oui, bien sûr. Mais alors là, je ne peux rien pour vous parce que c'est juste la résistance et.
Vu le prix de la bouilloire, eh bien, vous faites mieux d'en racheter une autre. Le pain ne remonte plus, vous pouvez faire quelque chose. Oui, bien sûr, ce n'est rien, c'est juste la tige qui est à remboîter. On va vous le faire. D'accord. Déposez-le. Bonjour madame, je vous ramène mon appareil parce que la cassette reste coincée dedans. Voilà. Non, c'est pas grave, c'est juste l'ascenseur qui t'a changé. Oui, mais c'est une cassette X. Ouh, c'est pas grave, ça c'est pas mon problème. Ne vous inquiétez pas, on va vous le faire. Merci. Mais non, il y en a du monde, je